Bonjour, je m'appelle Mathalie Crasset, je suis designer et mon travail consiste en quelque sorte à matérialiser, enfin à améliorer l'habitabilité du monde. Donc, je peux faire à la fois du produit, de la scéno, de l'architecture intérieure et voir un petit peu même d'architecture à échelle humaine. Le vivre ensemble, on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de mes projets sont autour de ça. En même temps, on est humain, donc on crée des choses. Mais en fait, il faut qu'on se donne un cadre éthique et un tact responsable en fait, dans cette création. Non, je n'ai aucune matière de prédilection. Je travaille avec toutes les matières parce que je vais d'abord travailler avec une intention. Qu'est-ce que je donne? Et après, la matière, elle va se choisir toute seule en fonction de ses caractéristiques. J'aime bien collaborer avec des entreprises qui sont EPV, qui sont donc patrimoine vivant, parce qu'il y a des vrais challenges, en fait, d'arriver à ancrer du contemporain, tout en gardant toute l'essence, en fait, de ces marques, qui fait qu'elles sont inscrites, elles sont ancrées. Et en même temps, c'est quelquefois beaucoup plus facile parce qu'on ne peut pas se projeter si on n'a pas de racines. Or, ces entreprises, elles ont une racine. Elles ont des racines. Donc, c'est plus simple, en fait, en regardant justement l'ancrage, d'arriver à les projeter, je pense, avec un savant dosage. Puisqu'en fait, quand on fait de l'innovation, il faut toujours réfléchir jusqu'où on innove et sans fragiliser, bien sûr, l'entreprise et sans perdre personne au passage.